Le style, souvent ça change beaucoup de choses dans nos rapports avec des jeux, parce que on fonce tête baissée souvent sur des titres qu'on connaît pas forcément, et qui en fait nous tapent dans l'œil pour leur aspect déjà. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Genesis Noir qui nous promet une aventure à travers l'amour et le temps apparemment. Un jeu qui est en préversion et qu'on va découvrir tout de suite.
Alors, c'était étrange ce petit trip. Oui, j'ai pas osé parler dessus. Vous l'avez pigé. Le jeu est assez particulier. Plus qu'un jeu, on va dire que c'est une démonstration arty quelque part, quoi. Parce que Genesis Noir, on peut l'aimer pour deux choses. Déjà sa BO qui est bien jazz groovy. Son ambiance aussi qui est sympa, puisque cette histoire de détective de la musique, on sait pas trop où elle va nous trimballer. Et puis le design est vraiment sympa, il y a un petit côté Miro dans le concept. Du coup, ça vous fait une expérience arty où il y a traversé. Il n'y a pas des énormes interactions, j'avoue qu'on reste de temps en temps coincé, mais je sais pas si vous avez vu, le jeu vous invite à interagir avec lui régulièrement, que ce soit pour la musique ou pour avancer dedans, de case en case un petit peu et parcourir l'histoire. Voilà, c'est tout pour cette preview de l'étrange Genesis Noir. Playlist généraliste, playlist des shmups, c'est un bouton d'abonnement. Ciao.